Ami Luc, Mantoue, Venise. Toi, t'es allié à qui? France et Luc. Et Luc est dans la ligue commerciale de Gênes. Avec Raguse, Gênes et Savoie. Ça serait intéressant d'attaquer Luc pour avoir Albenga et honorer la Savoie. Ça serait un moyen de contourner, hein. Et on voit que Sienne a déjà une revendication dessus. Bon, on vient de perdre notre général. Ah, j'avais des points à récupérer. Ok. Si je fais ça, qui vient dans la guerre? Ah, la Castille viendrait dans la guerre. La Castille viendrait dans la guerre. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de profiter de la Castille pour tabasser Gênes et Luc? Après, Aragon a des revendications sur ses territoires, donc il faudrait les prendre pour nous et pareil pour Luc. Mais on n'est pas obligé de donner les territoires, quoi. Est-ce qu'on le tente comme ça ou pas? On attend que les armées reviennent. Ça pourrait être bien, ça, hein. Et nous, on pourrait avoir. Ouais, mais le problème, c'est que on n'a pas d'hommes, on n'a pas de soldats. On a de l'expansion agressive à gogo. Il y a un moment, il faudrait peut-être que je me calme un peu. Ouais, zéro de manpower, ouais. Venise, mon allié? Mais c'est peut-être pas trop gagné, ça. Puissance administrative, je prends. Et toi, un allié, non? Tu m'aimes, mais pas trop non plus. Déjà, ah, attendez, on va peut-être pouvoir envisager des conversions. Sienne. Comment sont là? On va aider Sienne déjà sur 23 mois. 2 ans quasiment. On peut peut-être aider Sienne. Pour éviter que Sienne ne devienne un territoire qui ne soit pas de la bonne religion. On va améliorer les relations avec nos alliés. Ça, c'est en cours, c'est ça. Et on a une revendication sur. Parce que si je fais ça, moi. Est-ce que ça upset quelqu'un? Est-ce que mes alliés sont pas contents ou pas? Reconnaissant, ok. Amélioration des relations, ok. Dispose d'une revendication, bon, bref. Et toi? Veux piser Sienne. Oui, mais. S'il te plaît, c'est à moi. Ça serait con qu'on perde nos alliés quand même. Un prestige pour la Commedia dell'arte. Pourquoi pas? Ah, l'Autriche m'annonce comme rival. Sont qui mes rivaux? La Bourgogne, Gênes et la Savoie. Est-ce qu'on a mis un... Non, 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 non. Là, on peut pas mettre d'embargo. Non. Et là, on peut pas non plus. Bon. Par contre, ouais, ce qui m'inquiète, c'est ça, quoi. C'est qu'on attaque souvent dans le même coin et donc c'est pas top. 75. Ça fait mal. Est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité d'avoir quelqu'un qui améliorerait les relations diplomatiques? Genre cet homme-là. Certes, on perdra un peu de thunes, mais on va baisser nos forts déjà. Ça devrait calmer un peu tout le monde. Voilà. Séparatiste bourguignon du côté du Charolais, forcément. Ok. Accorder du prestige, tout ça. Prendre des points diplomatiques. Oui. L'argent, on va attendre un peu. Points administratifs, je prends, merci.
convoquer l'assemblée, exiger des points. On n'est pas si bien que ça avec les nobles, hein. Le problème, c'est que les nobles, ils ont des provinces, mais c'est pas les meilleurs du monde, quoi. Est-ce que les nobles, on leur donnerait pas ce territoire-là pour leur filer un peu de pouvoir? Ça, faudrait y donner, donner ces territoires aux prêtres. On va faire comme ça, on va leur retirer celui-là. Et on va leur donner celui-là. Ça va fa favoriser la conversion en fait. Mais 7%. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ça. Déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On est à 100% avec l'éclair. Et on n'a pas l'événement. Ok. Ça, c'est assez con, ça. Par contre. Ok. Dans mon gameplay avec la Suède, je me suis pris 4 centres religieux, j'étais en sueur. Oui, ça peut arriver, ouais. Mais tu as un achievement qui demande d'avoir tous les centres religieux. Que ce soit protestant ou autre. Donc, Ligue commerciale de Gênes, Gênes Savoie Raguse. Franchement, Luc plus Gênes plus Savoie, c'est pas un problème. Oula. Pourquoi les Ottomans sont là? Conquête castillane de Métidja. Oh merde! Ah oui, ils vont peut-être moins bien venir là. Ils sont peut-être un poil occupés. Et la France me doit combien de points? Pas de points. Bon, on va attendre, hein. Et la conversion ici est en cours. Ça va être dur de convertir ce centre religieux, hein, franchement. Un point, ouais, un point 12. Compte à Vénessin, plus 2, parfait. On va essayer de convertir un maximum de provinces quand même. Pour réussir à avoir ce qu'on veut. Et de toute façon, on n'aura pas pour l'instant le séparatisme, enfin la suprématie du clergé. Tant qu'on a le centre religieux, donc ça va à peu près pour ça. Plus revendiquer Nice, ça c'est hors de question. Oh purée, regardez-moi ça, comme c'est le bordel là-dedans. Trêve avec Mantoue et la Savoie a expiré. Parfait. Quelles sont les revendications de la Savoie? D'accord, nos provinces. Ok. Bien. L'argent remonte. Théodoros Moscovite Valachie
Ok, on est parvenu à convertir des provinces. Ok, maintenant la Lorraine, 29 mois. Et on va pouvoir accélérer les conversions maintenant. Pour même embrasser la contre-réforme. Je pense que ça va nous coûter un peu cher, mais... Non, on va mettre de l'argent, tant pis. On prend les emprunts, on prend les emprunts. On accepte. Si on arrive à s'approcher, à défoncer Venise, Ah, colonialisme adopté par la France. Donc on pourra peut-être l'obtenir nous aussi. Parce que la France nous apprécie. C'est vrai que j'avais oublié cet effet-là, mais le colonialisme va pouvoir se répandre dans nos provinces. Ça va nous coûter de l'argent et on pourra... Attendez, on va imposer l'unité religieuse d'abord ici. Ça sera bien aussi. On va commencer à convertir ce qui peut l'être, hein. Et là, ça va aller un peu plus vite. Puissance des missionnaires. On a gagné... ouais, on a gagné quelques mois quand même. On a des emprunts aussi, hein, mais bon, ça, c'est pas nouveau. Alors, pourquoi j'ai pris amélioration des relations? Ça, c'est un truc qu'il faut vous mettre en tête très très vite et qui est très important. Le conseiller des améliorations des relations, certes, permet d'améliorer plus rapidement les relations avec les personnes avec qui vous voulez améliorer les relations, mais ça a un point très 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 important. C'est que ça joue sur un facteur que vous ne voyez pas, qui est tout ce qui est baisser l'expansion agressive, on a eu des guerres avec quelqu'un, on a eu un événement qui met des malus, etc. Et vous voyez qu'actuellement, par exemple, pour la Savoie, je suis à 31 d'expansion agressive. Mais elle va baisser, cette expansion agressive, de 2,4 tous les ans. Si je n'avais pas mis cette personne-là, elle baisserait de 1,2 tous les ans. Baisser quasiment du double l'expansion agressive tous les ans, ça vous évite des coalitions et ça vous permet de faire des guerres en continu d'une façon monumentale. Donc vraiment, quand vous prenez un conseiller, ne lisez pas seulement ce qui est écrit là. Regardez ce que ça peut faire à côté. Ça, c'est très important. Il faut toujours penser que EU4, que ce soit EU4, que ce soit Imperator, que ce soit Crusader Kings 2, vos personnages, quels qu'ils soient, ont un impact autre que seulement ce qui est écrit dessus. Si vous ne faites pas attention à ça, vous allez perdre toutes vos parties. Ou en tout cas, vous allez galérer pour arriver à avancer. C'est très très important. Quand vous prenez quelqu'un qui augmente votre réputation diplomatique, oui, il augmente votre réputation diplomatique, ça vous permet de faire entrer vos alliés en guerre plus facilement, ça vous permet de pouvoir faire des alliances plus facilement, mais si vous annexez quelqu'un, vous annexez cette personne plus rapidement, et donc vous perdez vos points diplomatiques plus rapidement. Si vous baissez l'inflation, vous baissez l'inflation, c'est très bien, mais ça vous permet à côté... d'acheter vos bâtiments moins cher, ça vous permet de payer moins, de dépenser moins. C'est comme ça qu'il faut penser le jeu. C'est très très important. C'est pas seulement oui, c'est juste marqué ça, donc ça baisse juste un truc. Non, ça a des réactions en chaîne. Chaque personnage que vous prenez a un impact. On prend pas ce personnage-là juste parce qu'il fait plus 1. Non, il augmente l'impôt. Mais si augmenter l'impôt, ça vous permet des choses à côté. La réduction annuelle de l'inflation, pareil. L'agitation dans le pays, pareil. Ça a des impacts autres que seulement ce qui est marqué là. Et faut vraiment le penser.
Si vous n'y pensez pas, si vous restez avec des œillères et que vous prenez seulement ce que vous dit le jeu, vous perdez énormément du gameplay. C'est bien plus profond que ça. Voilà. C'est pas un coup de gueule ou quoi que ce soit, hein. C'est juste, il faut penser comme ça. Si vous pensez que avec je fais ce qui est marqué, je lis que ce qui est marqué, vous ratez énormément de choses. Et vous ne pourrez pas faire certains achievements parce que vous ne voyez pas ça. On le perd quand celui-là? D'accord, on a un peu de temps pour nous. Oui, j'ai un général, c'est bon. On en est où avec la France? 7, c'est tous les 3 ans. Pff, ça fait cher tous les 3 ans. Hein. Bon, j'aimerais bien que l'Espagne remporte sa guerre. Ouais, ça fait mal par contre. On va faire un peu de répression temporairement ici. Conflit intérieur en Caracoyoglu. Voyez-vous ça? Ok. Salut à toi, Galgarade. Donc là, ce que je fais, hein, c'est juste pour me permettre de pouvoir attaquer plus facilement en Italie. Parce que sinon, j'ai l'Autriche qui va rentrer en guerre, j'ai Venise, j'ai plein de pays, et je veux pas ces pays-là. Je veux pas qu'ils rentrent en guerre. Je veux pouvoir tranquillement m'installer dans la région sans avoir de problème. Allez, d'accord, en plus, ils ont ça. Les séparatistes grenadins, là ça fait mal, hein. 43 000 hommes, ça fait très mal. Ok, la Lorraine est convertie. Bon, Pise vient de se convertir, ça c'est pénible. Comment ça se passe ici d'ailleurs? Bon, ça devrait être un peu plus jouable. Là, ici, on a jusqu'à quand? 1516. Ça c'est beaucoup plus tardif, 1534. Et ici, 1519. Ici, on pourrait. Le problème étant, c'est que la province est très très dure à convertir. La province des trois évêchés, mais ça serait pratique. Il manque 0,02. Donc, pour obtenir ce qu'il faut, on va augmenter un peu la stabilité et on va y aller. Et ça enlèvera déjà une province. Alors, ça va foutre le bordel, bien sûr. Ça va coûter cher aussi. Comment se passe? Ok, ça commence à se répandre. Soixante et un pour cent, c'est pas mal, ça, déjà des provinces. Allez, on augmente la puissance des missionnaires sur la province. On va gagner combien de temps là-dessus? Dommage. On va améliorer les relations avec les alliés. Ok, prise. Ok. Aragon a récupéré Annaba, semble-t-il. Et oui, Aragon est bien en union personnelle. Comment c'est cette guerre? Pourquoi vous faites des guerres avec des gars Dommage, je peux plus revendiquer. Ah si, je peux revendiquer Coni. Y'a pas une revendication sur Nice aussi? Ok. Bon, une guerre avec Luc, est-ce que ça ferait venir du monde, ça?
La France ne viendrait pas parce qu'elle me doit pas des points et la Castille est en guerre avec l'autre bout du monde, donc elle ne viendrait pas. Allez, trois évêchés sont en cours de conversion. Le concile de Lugo. Donc on va avoir la contre-réforme et on va... Ah! Contre-réforme, s'il vous plaît. Oui. Donc on va gagner de quoi convertir et plus facilement d'ailleurs. Alors ça va nous coûter plus cher en points, etc. Mais on va accepter. Alors, on pourra convertir plein de choses. Toutes les provinces que l'on a pourront être converties. Le problème étant, c'est qu'on a ces territoires-là qui peuvent essayer de convertir à nouveau nos territoires. Ouf, j'ai trop de points là. On pourrait améliorer un peu nos territoires. On va mettre un point ici. Un point là. Ça permet d'augmenter la colonisation, etc. Ça, je vais prendre. Ça, je vais prendre. Et 2,35, ça va plutôt vite, hein. Ça va plutôt vite, donc on pourrait avoir très rapidement la colonisation. Le problème, c'est bon, ça nous coûte cher pour l'instant, mais c'est là, c'est pour obtenir ce qu'on veut. Par contre, je voulais voir une chose. Est-ce que les clercs sont bien à 100 points pour l'instant, toujours, hein. Ils sont 501 points. On va accepter ce fait-là. Oui, je vais essayer, Sodan. Bonjour à toi d'ailleurs. Pour l'instant, c'est compliqué. On a nos alliés qui font des guerres ailleurs que là où ça nous arrangerait. On a la Hongrie qui est en train de se faire tataner par la Valachie. Le problème, c'est que la Valachie allie à Venise, d'accord. Et les Ottomans commencent à avoir des revendications là où il faut pas. Problématique. Ah, la Castille viendrait. La Castille viendrait. La France ne viendrait pas, mais ça encore. Et les armées castillanes sont là. Est-ce que les armées aragonaises sont dans le coin? Ça, c'est le problème. Où sont les armées aragonaises? Je ne sais pas. Elles sont peut-être là et elles sont peut-être là. Est-ce qu'on prend le risque? J'ai envie de dire oui. J'ai clairement envie de dire oui et on prendra ce qu'on peut obtenir. On va mettre la Franche-Comté, on va la lever tout de suite. Et on va demander à la Castille de venir prendre Luc. C'est parti. Donc on va essayer de prendre Conny déjà pour commencer. Oui, il y avait des hommes là, c'est bon, c'est pas mal. Ça serait bien que Naples nous laisse la province de Luc, mais j'y crois pas des masses. Par contre, ça serait bien qu'ils nous laissent les conversions en cours aussi. Ce serait très aimable de leur part. Et à mon avis, je vais pas récupérer. Aïe, ça... oui, d'accord, si c'est bon. Putain, j'ai cru que c'était moi. On va peut-être pas pouvoir récupérer les provinces. J'ai peur qu'Aragon récupère ses provinces pour lui, en fait. Et il va les garder pour lui, il y a des grandes chances. Parce qu'il a des revendications dessus, donc on pourra pas récupérer les provinces
Enfin, faudrait qu'on arrive à récupérer Albanga en fait. Pour nous, ça serait le must. Le problème étant, c'est que la Naples récupère pas le bon territoire. Enfin, Naples, c'est pour l'Espagne, donc. Ok, ça c'est bon. Cogné pour nous, on va pouvoir se mettre sur Albanga. Ah si, ils nous l'ont donné. Ah d'accord, ah, c'est sympa ça. Oh, c'est très sympa. Bon, les conversions, qu'est-ce qu'on a à convertir? Le Barrois, oui, alors ça, oui, clairement oui. De 100 fois oui. Tout le temps oui. J'irais bien en Corse, mais... Ah, purée, Nice. Tu veux pas me rendre Nice? Rends-moi Nice. Non, mais donne-moi Nice. Fais pas le chien. Donne-moi Nice. Bon, allez, on va aller prendre la Savoie. Pré-repoussé, oui. Alors, par contre, Gênes. Est-ce que tu veux bien me donner Albanga? Oui. Est-ce que tu veux me donner des réparations de guerre? Oui. Est-ce que tu veux me donner toute ta thune? Presque. S'il suggère l'offre, ça fait quoi? C'est de la Corse? Est-ce qu'on prendrait pas la Corse? Ah! Corse ou Albenga? On peut attendre un peu. On peut attendre un peu. Bon, déjà, là, ils vont défendre. C'est plutôt intéressant. On peut... soutien des dissidents. Je m'en fous. Ok. Est-ce que Milan est devenu un duché ou pas? Non, c'est toujours... ok. Le pape ne répond qu'à Dieu, ben, si vous voulez, hein. On va pas vous en inquiéter non plus. Est-ce qu'on a intérêt? Oui, on va baisser les intérêts et tout ça. Ça, c'est parfait pour nous. Franchement, parce que ça coûte cher. Ouais, on a le René qui a été pris, mais c'est trois fois rien. La Savoie. On va prendre Vaud. Albenga, Corse. Ah, ça se dispute, hein, ça se dispute. On va essayer d'obtenir un maximum de territoire pris. Avec la Suisse à expirer. Le problème, c'est que plus on aura de côtes, plus la Tunisie pourra nous raid tranquillement aussi. Alors, faut que le valet tombe, hein. Succès de conversion. Ok, ça c'est bien. On va pouvoir enlever ça. Pas d'édit de ce côté-ci, ça sera parfait. Et dès qu'on pourra, on va changer l'édit qui est ici. Pour passer à d'autres conversions. On est à combien là? 89%. Il faut passer à 90, hein, donc on n'est pas très très loin. On a les séparatistes bourguignons du côté du Charolais qui vont poser un problème. Et, est-ce que Raguse est en train de se faire siéger? Oui, Raguse est en train de se faire siéger. On pourrait peut-être demander la vassalisation de Raguse. Hein. Raguse, c'est quoi? C'est 57%, donc on ne pourra pas malheureusement. Mais une vassalisation de Raguse, ça aurait été beau, hein. Ça aurait été vraiment beau. Conquête Ferrarès de Luc. Et conquête provençale de Luc. Ouais, d'accord. Et la territoire est gardée par la Castille ici. Ouais, bah oui, forcément. Mais ça sera non, ça, hein, clairement. Ça s'appelle un casus belli, c'est pas du tout l'occasion de faire ça. Bon, bah, on va aller peut-être s'occuper des bourguignons là. Ça
Les bourguignons qui sont à 16% là. Ok. Donc, la Savoie, qu'est-ce que tu fais si on suggère? Tu nous donnes Coni et tu rendrais ces territoires aux Milanais. Est-ce que ça a un intérêt? Moi, je veux bien récupérer ça. Ça, je suis tout à fait d'accord. La Savoie serait pas contente, mais on s'en fout. On demanderait les réparations de guerre, ça, je suis d'accord. On va l'humilier, ça, c'est pas mal. Ça augmentera notre démonstration de force. On va prendre le pognon. On a des emprunts en haut. Off. On va peut-être prendre que le pognon. Et nous, on retiendrait quoi dans ce pognon? 68? Peut-être de quoi rembourser un emprunt quand même. Parce que humilié, on n'aura pas. Si on va l'humilier en fait.